TV. Voici les informations de ce jeudi 2 janvier 2020. Les quotidiens analysent certes sous toutes les coutures le message du chef de l'État à l'occasion du nouvel an, mais ils semblent encore plus intéressés par les réponses apportées par Macky Sall aux questions portant sur sa volonté de briguer ou non un troisième mandat. Dans le clair-obscur, lit-on à la une du quotidien enquête parlant justement de la question du troisième mandat suite et par fin d'une ambiguïté, titre le journal dans ses pages intérieures. Selon enquête, Macky Sall, réélu il y a dix mois, a laissé planer le suspense sur une éventuelle candidature à un troisième mandat devant la presse mardi soir, peu après avoir prononcé son message radio-télévisé à la Nation lors d'une rencontre avec des journalistes. Sera-t-il candidat en 2024? Macky Sall ne dit ni oui ni non. Une sortie qui tranche avec ses propos précédents sa réélection et démontre que si la question se pose encore, c'est que la Constitution n'a pas tranché le débat, écrit le journal Le Quotidien. Libération précise que le président de la République envisage de donner son avis sur la question, le moment opportun, à la fin de son quinquennat. Entamé en avril dernier, dans la foulée de sa victoire à la présidentielle un mois auparavant. Pour l'observateur Macky Sall Bluff, au ni oui ni non, ce sera le seul haut que Macky Sall aura donné à Rogner lors de son adresse au public suivie d'un point de presse, indique le journal. L'observateur note également que Macky Sall assure n'avoir pas de dauphin. Macky Sall noie son dauphin, affiche à ce propos critique. Je n'ai pas de dauphin. Je ne suis pas un roi pour qu'on hérite de moi. Je n'ai pas hérité de ce pays, déclare ensuite le président Sall dans les propos rapportés par Vox Populi. Ce journal de commentaires, Macky Sall jongle avec du feu. Wolf Quotidien estime que le chef de l'État nage dans le clair-obscur sur ce sujet comme sur d'autres, selon cette publication. N'eût été le respect dû à une institution constitutionnellement protégée, on aurait simplement dit que le président Macky Sall, dans la non-évacuable question de son mandat, a opté par la fuite en avant avant ce journal. Peut-être dans les codes de protocolairement. Correct, ajoute Wolf Quotidien, on peut dire que le chef de l'État et le chef de la majorité a opté pour le conspiratisme en décidant de ne pas décider pour différer un problème. Macky Sall a livré sa vision entre autres questions, la bonne gouvernance, les libertés démocratiques, la campagne arachidière, mais a préféré maintenir le flou autour de la question du troisième mandat, souligne le quotidien Lass. Beaucoup, beaucoup de questions politiques ont été ainsi abordées par le chef de l'État parmi lesquels l'arrêté Ousmane Gom, dont l'abrogation n'est pas pour demain le refus du dialogue de certains opposants ce qui ne l'empêche pas de gouverner le pays signale sud quotidien le président s'est aussi prononcé sur le prix de l'électricité la campagne arachidière entre autres sujets de l'heure qu'il a abordé entre assurance et déconnexion selon direct news Prestation de haute facture, estime le quotidien national Le Soleil, parlant du message du chef de l'État à la nation et du grand entretien qu'il a ensuite accordé à la presse. Macky Sall est engagé à servir et à préparer le rendez-vous avec l'avenir. Résume Le Soleil. Croissance économique, éco-endettement et banque mondiale. Sonco démonte les arguments du gouvernement sur le quotidien LAS. Publicité sur la dépigmentation. Le CNRA déconnecte la CNTV pour 7 jours. Écran noir à Saint-TV pour une semaine sur critique. Le CNRA sort le bâton, le saint alerte, les éditeurs prennent acte. Le quatrième pouvoir en sursis. Sur les échos, suspension des programmes de la Saint TV pendant sept jours, une décision excessive, rétrogradée et méchante. Bougane le CNRA joue au bras armé de Macky Sall, C'est notre ligne éditoriale qui dérange. 180 agents mis au chômage technique. Sur le quotidien, l'Observateur, suspension de la Saint TV. Des médias traduits en justice le CNRA. Baba Kardjan. Comment Bougan peut-il dire qu'on l'a fait contre son corps Escroquerie présumée portant sur 30 millions de francs CFA, un soldat de 38 ans, traque un avocat et collaborateur de Maître Sidi Kikaba, nos renseignements source A. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, on vous donne rendez-vous demain, inshallah pour un autre numéro.